Europe 3D, c'est cette entreprise basée à Saint-Avé, spécialiste de l'usinage industriel. Mais pour Thierry, Benjamin, Christian, Jérôme et Julien, c'est avant tout une aventure commune. Ses collègues ont fait le choix il y a 3 ans de reprendre en scope leur ancienne société alors en liquidation. Ce statut a été adopté, choisi à l'unanimité et sans hésitation à la création de la société. Les avantages de la SCOP, c'est vraiment un investissement des salariés associés, un partage aussi des différentes responsabilités et des risques. Une organisation différente, pas de directeur et des salaires équivalents, mais une dynamique de groupe. Chacun apporte son savoir-faire, de la conception numérique aux finitions des pièces usitées, pour proposer un service de A à Z. Donc notre métier consiste à transformer la matière par enlèvement de copeaux. Donc les outils utilisés sont des fraises, donc soit des fraises carbure, soit des fraises HSS. On reçoit la matière soit pré-usinée, soit brute. Donc on peut voir ici de la matière que nous avons reçue brute, que nous avons préparée. Et ensuite, suite aux différentes opérations d'usinage, on voit une pièce qui est finie. Cette pièce, par exemple, fera partie d'une voiture. Automobile, agroalimentaire, plasturgie ou aéronautique, la SCOP fait de tout et le fait bien, grâce à leurs 4 postes d'usinage et une station de contrôle qualité. L'atout majeur de notre société, c'est sa réactivité et son haut niveau de qualité. On a une machine de contrôle, il y a peu de sociétés de notre taille qui peuvent se permettre d'avoir ce type de machine. Ça, c'est vraiment un atout majeur. La réactivité est également un des points majeurs, donc le fait d'être une SCOP, ça nous permet d'être plus réactifs, parce que c'est vrai que, étant tous associés, des fois on compte pas trop nos heures, et ça nous permet d'être plus rapide que certains concurrents. Une petite structure certes, mais qui n'empêche pas d'entreprendre. Les 6 associés n'ont pas hésité à investir dans un poste d'usinage à 5 axes pour s'ouvrir de nouveaux marchés vers l'aéronautique, normalement réservés à de plus grosses entreprises. Le but de cet investissement, c'était vraiment de pouvoir se placer sur des nouveaux marchés, de mieux répondre en fait à la demande du client et derrière, gagner en rentabilité. C'est quand même une grosse somme pour une petite société parce qu'on arrive sur des sommes à plus de 400 000 euros. Mais on a quand même été bien aidé, bien entouré, ce qui nous a permis d'investir sereinement. Europe 3D est en effet implantée à Saint-Avé, à quelques minutes de Vannes. Outre la qualité du cadre de vie, le projet de SCOP a su intéresser les acteurs locaux. On a vraiment été aidé par le tissu économique, au niveau du VIPE, au niveau des SCOP, au niveau du conseil général, de la mairie de Saint-Avé. On a vraiment eu des personnes qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus, qui nous ont poussés pour pouvoir créer notre société. Et derrière, on voit qu'aujourd'hui, ça a porté ses fruits puisque la société a 3 ans et fonctionne plutôt pas mal aujourd'hui.